Bonjour, t'as envie de gagner entre 0 et 234 euros par jour en filmant un objet? Eh ben, t'es au bon endroit. Donc voilà, je vais te présenter la méthode. Donc, premièrement, je vais te montrer un exemple d'un site qui gagne 234 euros par jour. Ensuite, je vais te montrer la méthode pour le faire. Ensuite, on va faire un petit bilan de ce business. Et je te donnerai des astuces à la fin pour pouvoir optimiser tout ça. Donc, premièrement, on va voir l'exemple. Je te laisse regarder ça attentivement. Donc voilà l'exemple d'une chaîne YouTube qui gagne des revenus grâce à la méthode de filmer un objet pendant 10 minutes et de recopier la séquence dans un montage vidéo. Donc là par exemple sur le site on va prendre le premier là qui date de pas longtemps, de 4 mois. Donc vous voyez que je vous montre un exemple de quelque chose qui date de seulement 4 mois, donc qui était à Noël. Donc la personne a fait une vidéo de 8 heures et une vidéo de 10 heures. Et déjà, on peut voir une première astuce. C'est que là, elle a fait 1,7 million de vues. Là, elle a fait 487 kilos de vues. Donc on voit que seulement avec le mot clé Noël, ici, elle a fait 4 fois plus de vues, puisque la vidéo est identique. Donc très intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, que les mots-clés, il faut pas du tout les négliger. C'est ce qui va vous faire le nombre de vues de votre vidéo. Donc ensuite, comment elle procède? Bah, c'est très simple. On va le constater dans sa vidéo. Donc là, voilà. Donc vous voyez, elle a mis une caméra devant sa cheminée, elle a filmé et elle va répéter la séquence. Elle ajoute à ça de la guitare acoustique et voilà. C'est fait. Le travail est fait. Mais après, vous allez me dire, oui, d'accord, mais combien ça rapporte ce genre de chaîne? Ben là, on va regarder un outil, donc Social Blade, où je me suis mis sur sa chaîne. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, là, par exemple, le 20 avril, le 13 avril, elle a gagné 237 euros. Le 14, elle a gagné 254. Et en moyenne, elle gagne 234 euros par jour. Ce qui est bien, quoi. Et donc là, on voit que par mois, elle gagne 5000 euros. Donc il faut savoir, sur Social Blade, les estimations sont plus au maximum qu'au minimum. Et elle gagne par an, donc 60 000 euros. Ça laisse à réfléchir. Donc voilà, on a deux méthodes. Donc la première, c'est de filmer avec ton portable un objet fixe pendant, on va dire, quelques secondes ou 1 minute ou 2 minutes. Ensuite, ce fichier, tu l'amènes dans un montage vidéo et tu le répètes. Et donc là, je te montre la deuxième méthode. C'est-à-dire que tu vas chercher directement tes fichiers sur le net, tu n'utilises même pas de caméra pour filmer et ça va encore plus vite. Donc admire le travail. Donc voilà la deuxième méthode. Donc elle est assez simple. Il faut aller sur le site Pexel Vidéo. Donc vous tapez sur Google Pexel Vidéo. Vous tombez sur cette interface-là. Et là, nous, on a besoin d'avoir une vidéo d'une bougie. Donc, on tape candle en anglais, on a plusieurs bougies et on choisit celle qui nous plaît. Donc vous voyez, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs vidéos dessus, puisque vous avez plusieurs bougies différentes, même à côté de la mer là, qui est très jolie, ainsi de suite. Vous en choisissez une et vous allez répéter la séquence jusqu'au temps que vous voulez. Si vous voulez faire une vidéo d'une heure de relaxation, bah, vous le répétez jusqu'à que ça fasse 1 heure. Si vous voulez 4 heures, 10 heures, vous répétez. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, vous prenez un logiciel de montage. Et à partir de ce logiciel de montage,
Donc, bah, vous allez répéter la séquence. Donc, par exemple, là, j'ai une bougie, j'ai une séquence de bougies. Hop, je le mets ici. Donc, je copie ma séquence. Contrôle V, contrôle C. Donc là, je sais pas pourquoi il m'a copié un petit bout. En tout cas, on s'en fiche. Ah oui, il coupe. En fait, il coupe à chaque fois. Et ainsi de suite. Et je fais contrôle V, contrôle V. Et vous voyez comment le temps il monte. Ici, je reste appuyé. Voilà. Je suis déjà à 15, 20, 34. Je pourrais aller encore plus vite. Parce que je peux prendre jusqu'à là, par exemple. Je prends tout ça. Contrôle copie et contrôle V. Et là, je vais aller encore plus vite. Vous voyez, regardez. Et là, je suis déjà à 1 heure. Et ainsi de suite. Et je laisse appuyer dessus. Donc là, par exemple, moi, j'utilise Movavi vidéo pour le montage. Des fois, j'utilise Filmora. Il y en a des gratuits comme Hightfilm, DaVinci. Il y en a des biens qui sont gratuits. Donc vous pouvez aussi en prendre. Bah après, si vous faites vraiment un business là-dessus, investissez dans un logiciel de montage. Hein, c'est pas très très cher. Il y en a qui sont pas très chers en tout cas. De l'ordre de 30 euros, 50 euros maximum. Avec ça, vous avez déjà quelque chose de bien. Mais bon, vous pouvez déjà commencer, tester votre business avec un montage avec un logiciel de montage vidéo gratuit. Et puis après, vous pouvez investir dedans après avec les revenus. Donc voilà pour la deuxième méthode. Donc là, on arrive au bilan. Donc on va voir ça en plusieurs étapes. La première, c'est, bah, on constate que c'est un travail facile. Donc je peux faire beaucoup de vidéos. Là-dessus, c'est très facile, je filme et je répète. Je fais aucun travail vraiment très difficile. La seule difficulté, c'est qu'il faut être régulier pour que ta chaîne YouTube monte en puissance avec des abonnés et que ton business devienne rentable. Si tu fais pas ce travail-là, bah tu gagneras zéro. Et donc, j'en ai la preuve. J'ai une chaîne qui s'appelle GM Lab. Et c'est une chaîne qui me sert de test. Donc il y a un mois, j'ai filmé une bougie. Donc ce que tu as vu dans la vidéo avant, je l'ai mis en voie et voilà, j'ai 3 vues. Pourquoi? Parce que la chaîne, elle a aucun abonné. Je commence la chaîne, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Donc voilà, faut pas se dire, bon voilà, bah je mets ma vidéo là-dessus. J'attends quelques mois et je vais gagner de l'argent. Non, c'est un travail régulier, très important, sinon tu gagnes zéro. Mais par contre, après, c'est comme un arbre fruitier, tu le plantes, tu t'en occupes, et après, au bout d'un certain temps, bah là, ça sera très facile, tu récupéreras tes fruits facilement. Et ensuite, bah voilà, tu arrives à un business qui peut être rentable vu un cas concret qu'on a vu, qui gagne jusqu'à 234 euros par jour. Donc ça peut valoir vraiment le coup de faire ça. À toi de le prendre ou non ce business. Si t'intéresse pas, j'en mettrai d'autres sur la chaîne, t'inquiète pas. Et n'oublie pas de t'abonner aussi, ça me ferait plaisir. Comme ça, tu pourras suivre les nouveaux business et en choisir un qui te conviendra. Donc ensuite, je vais te donner quelques astuces. Donc la première, c'est, bah, tu t'en fais un. Tu filmes par exemple ta bougie sans musique, ce que j'ai fait sur GMAB Lab. Et tu peux en faire le second le lendemain ou la deuxième ou deux dans la semaine. Et là, il y en a une où tu vas rajouter de la musique. Donc comme ça te fait déjà 2 vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont mettre ça sur leur télé pour avoir par exemple un côté romantique. Ou pour mettre une ambiance. Donc il y en a qui voudront sans musique et avec musique. Donc voilà, je pense que c'est une petite astuce déjà qui te fait doubler tes vidéos. Ensuite, bah le problème c'est que si tu mets
des vidéos d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, ainsi de suite, la vidéo va être énorme. Donc, elle va mettre un temps énorme à mettre sur YouTube. Donc là, l'astuce non négligeable pour ce genre de business, c'est d'utiliser le logiciel Handbrake, ce qui va te permettre de réduire mais considérablement tes vidéos. Et du coup, quand tu les téléchargeras sur YouTube, eh ben, ça mettra beaucoup, beaucoup moins de temps. Donc du coup, tu peux faire des vidéos très, très, très longues. Donc, bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt!